Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle capsule afin de corriger le schéma fonctionnel sur la contamination et l'infection par les micro-organismes. La consigne était, à l'aide des documents et de la vidéo, réaliser un schéma fonctionnel montrant comment les micro-organismes peuvent contaminer et infecter un organisme. Dans un premier temps, on va analyser la consigne. Il faut donc réaliser un schéma fonctionnel. Un schéma fonctionnel est une représentation simplifiée d'un phénomène ou mécanisme à partir de formes géométriques. Dans la consigne, on vous demande de montrer ce qu'est la contamination et l'infection. On ne connaît pas ces mots encore puisque nous ne l'avons pas vu dans le cours, donc il va falloir rechercher les définitions à partir des documents qui sont à disposition. Dans la consigne, on parle d'un organisme, donc il va falloir le représenter sous une forme géométrique. Dernier élément dans la consigne, on parle des micro-organismes, c'est donc au pluriel, il va donc falloir distinguer selon les informations données dans les documents. Donc au brouillon, j'ai ces quatre notions, un organisme, micro-organisme, contamination et infection. Je sais ce que c'est un organisme, je sais ce que c'est les micro-organismes. Par contre, je ne sais pas ce que c'est la contamination ni l'infection. Je vais donc devoir analyser les documents. Premier document, nous avons un texte sur la contamination et l'infection. Le titre sous-entend que je vais donc trouver les informations sur ces deux notions. Le document 2 était un tableau dans lequel on regroupait quelques informations sur certaines maladies. Le document 3 et 4 étaient des schémas qui représentaient la multiplication des micro-organismes. Donc si je lis le document 1, une blessure de la peau ou un assèchement des muqueuses, mucus moins présent, peuvent permettre l'entrée des micro-organismes qui étaient jusque-là maintenus à l'extérieur du corps. C'est la contamination. Donc là, j'ai une première définition. Pour la contamination, ça veut dire entrée des micro-organismes à l'intérieur du corps. Donc j'ai ma définition de contamination. Et donc, je sais ce que c'est, je vais pouvoir la représenter sur le schéma. Lorsque la contamination n'a pu être évitée, les micro-organismes qui rentrent trouvent facilement de quoi se nourrir. Ils peuvent alors se multiplier rapidement, c'est l'infection. Nouvelle information, l'infection est donc la multiplication des micro-organismes. J'ai donc également trouvé ma définition qui me manquait pour l'infection. Si je regarde le document 2. On me présente des maladies avec les micro-organismes qui sont à l'origine. Comment ces micro-organismes nous sont transmis, les zones de contamination et les effets pathogènes qui peuvent en découler s'il y a des infections. Dans ce tableau, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie sur la contamination. Et ici, on voit qu'elle rentre soit par des muqueuses, soit par de la peau. C'est donc dû à la barrière mécanique qui sont entre l'intérieur de notre organisme et l'extérieur. Et si on fait un lien avec le document 1, on voit que les micro-organismes rentrent par ces parties s'il y a une blessure ou un assèchement des muqueuses. Si je reprends mon brouillon, je sais que pour mon organisme, il va falloir que je représente les muqueuses et la peau, puisque c'est par là que se fait l'entrée des micro-organismes, et donc c'est ainsi que je vais pouvoir montrer la contamination. Puis l'infection, je vais devoir la représenter par la multiplication de mes micro-organismes. Maintenant, si je regarde les deux derniers documents qui nous restent, on parle de la multiplication des bactéries et de la multiplication des virus. Donc on va nous parler des différents micro-organismes. Si on regarde les titres des documents, on me parle de multiplication. On va me montrer comment les micro-organismes peuvent infecter le corps. Si je regarde les documents, je vois que la multiplication des deux micro-organismes n'est pas identique. En effet, pour les bactéries, il suffit d'une simple division cellulaire, comme vous avez pu le voir dans le chapitre de la génétique, alors que les virus sont obligés d'aller parasiter une cellule pour pouvoir se multiplier. Si leur multiplication est différente, l'infection va donc être différentes. C'est pour ça qu'il va falloir les distinguer sur le schéma.
Pour commencer à faire le schéma, dans un premier temps, on va tracer un rectangle qui va représenter l'organisme. Le contour du rectangle va représenter les barrières naturelles de l'organisme, c'est-à-dire la barrière qui va le séparer de l'extérieur, c'est donc la peau et les muqueuses. Tout ce qui sera à l'intérieur de ce rectangle représente l'intérieur de l'organisme et tout ce qui est à l'extérieur représente l'environnement. Ensuite, dans l'environnement, on retrouve des micro-organismes. Un losange bleu va représenter les bactéries, puisqu'on nous demande de distinguer les bactéries et les virus. Et j'ai décidé de faire un triangle rouge pour représenter les virus. Ensuite, on a vu que pour que ces micro-organismes puissent rentrer, il fallait une blessure ou un assèchement des barrières naturelles. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter avec ce petit coloriage orange. Cette plaie ou cet assèchement des muqueuses va permettre l'entrée des micro-organismes à l'intérieur de notre corps. Donc ça, j'ai représenté par une flèche pour montrer que les micro-organismes rentrent dans l'organisme. On n'oublie pas de représenter donc les micro-organismes à l'intérieur puisqu'ils sont pénétrés à l'intérieur du corps. Et donc cette flèche verte montre la contamination. Une fois que les micro-organismes à l'intérieur de notre corps, ils vont se multiplier. Donc là, c'est ce qu'on doit représenter. Les bactéries vont se multiplier par simple division cellulaire, comme vous l'avez vu dans le chapitre sur la génétique. C'est-à-dire qu'une cellule va en donner deux. Donc une bactérie va en donner deux à chaque division. On n'oublie pas de mettre en légende que cette flèche marron signifie la multiplication. Ensuite, pour les virus, eux, ils ont une multiplication un petit peu à part puisqu'il leur faut une cellule de l'organisme pour pouvoir se multiplier. Donc, on représente une cellule sur le schéma. Puis, on va faire rentrer ce virus à l'intérieur de la cellule. Et enfin, ce virus va pouvoir se multiplier à l'intérieur de la cellule. Donc, on va représenter cette multiplication par la même flèche qu'on a utilisée pour les bactéries, c'est-à-dire la flèche marron. Et après, on peut rajouter que les virus vont sortir de la cellule par cette flèche bleue. On peut ajouter le mot infection au niveau des deux multiplications des micro-organismes, puisque c'est la définition. Nous avons donc bien montré sur notre schéma les notions qui étaient demandées dans la consigne, c'est-à-dire contamination et infection. On n'oublie pas de mettre un titre à son schéma, donc schéma fonctionnel montrant la contamination et l'infection d'un organisme par les micro-organismes. Pour ceux qui souhaitent, on peut également repasser le contour du rectangle afin d'indiquer qu'il s'agit de la peau et des muqueuses. Voilà pour la correction du schéma. Si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir. À bientôt!